Il semble que l'Algérie n'ait pas encore accepté la nouvelle position espagnole sur le Sahara marocain, et la reconnaissance de son président, Pedro Sánchez, à travers une lettre adressée au roi Mohamed VIII, avec le sérieux, le réalisme et la crédibilité de l'autonomie. Et la dernière chose que le voisin de l'Est entend faire en revanche contre l'Espagne, c'est de revoir les prix du gaz avec Madrid, selon une explication du directeur général du complexe Sonatrach, Tofay Kakar, publiée par l'agence de presse algérienne. Il faut noter que, depuis l'annonce de la nouvelle position de l'Espagne sur le Sahara marocain, l'Algérie a décidé de publiciser la carte essence pour punir l'Espagne. Le journal Al-Shorouk Online avait précédemment déclaré que le voisin oriental allait revoir tous les accords qu'il avait conclus avec l'Espagne.